que Laurent, tu veux bien te rusher en direct dessus pour YouTube. Parce que t'as vu une petite araignée. Le mec, tout ça pour une petite araignée, quoi, de rien du tout. Qui fait très mal aux côtes quand elle te frappe. Mais de rien du tout. La douleur, c'est psychomoteur. Comme qu'ils disent les gens qui parlent pas le français. Starfrog, au secours. Non, non, je te connais pas, PTDR. Non, j'ai rollback dedans. Alors ça... Ça, c'est tellement un instant karma. Ça, c'est pour avoir osé dire non à mon déménagement de... C'est dur d'être phobique des araignées, hein. Je suis tellement content d'avoir peur de rien. C'est formidable, t'imagines pas à quel point. Elle est où? Oh. Y'a pas un mode arachnophobe là? Si, si, ça met des liens de 4 à la place. C'est vrai? Ouais. Mode arachnophobe. En 2D, hein. Vraiment, c'est vraiment le mode dégueulasse qui tâche, ça fait des vieux chats du profil. C'est horrible. C'est vrai? Oui, à première vue, c'est vraiment des JPEG dégueux. Moi, je les jamais teste. Je les jamais teste parce que bon, bah, moi, j'assume, hein. C'est le petit côté horreur du jeu, tu vois. Ah. Parce que le jeu, quand tu te balades en forêt et que tu commences à entendre grouiller, tu fais. C'est mort. Et là d'un seul coup tu joues plus à Satisfactory avec des beaux paysages, des usines qui tapent, d'un seul coup tu joues à un jeu d'horreur. Tu joues à Predator, Alien versus Predator, sauf que t'es pas un Predator. C'est maman au secours. Allô maman, bobo. Allô maman. Pétrole, l'alimentation. C'est fait. Alors c'est fait mais c'est pas fait. J'ai envoyé sous presse, donc tu dois avoir du biocarburant qui est sorti. Mais j'ai pas le... Si c'était du bois, bah ça te fera automatiquement. Ouais, c'est du bois, c'est pour ça... Mais si tu veux alimenter, là, tu peux. J'ai déjà refait le plein. C'est juste que je disais que... Mais y'a nos power, putain. Y'a pas de power. Y'a pas de power pour fabriquer du biomachin, là. T'as coupé la chaîne. Ah bon? Ouais, t'as coupé la chaîne. Y'a pas de power là-dedans. Ah merde. Donc tu auras pas de carbu. Et y'a pas de power non plus sur celui qui fabrique du carbu. Y'a rien mec, t'as tout coupé. Le mec il a tout coupé en fait. Il est en train de... Ah au secours, y'a plus rien. Bah ouais, mais fallait pas couper en fait. C'est bon, ça a mis en place. Ah mais là par contre ça va tout faire sauter du coup. Bah j'en sais rien. Calculer tes masses. On doit être à la limite de ce qu'on peut produire. Ah non, il reste de la marge encore. Par contre, j'ai beaucoup de merde avec moi. Et donc, pourquoi on peut pas... Ah oui, il faut toujours que tu nous poses le... Hein, le... Hein, sinon, on peut pas continuer le jeu. J'attends le béton et le câble. Quel béton, quel câble? Il me manque du béton, que j'ai maintenant. Mais il me manque toujours 1000 presque de fil électrique, de cuivre transformé. De bobines. Ouais. Et tu t'es pas dit je vais les faire à la main? Ah bah si, je vais le faire là. Mais... Ah oui, il y en a 50. Oh quoi que ça va vite en vrai. Ouais, c'est en surcharge là-dedans. Eh mais mec, en fait, c'est en surcharge là-dedans. Donc ce que tu peux faire, c'est aller le gaver de limace et le pousser à fond. Tu mets en pose de la ferraille ou j'en sais rien, mais je sais pas. Enfin, mets en pose un truc ou alimente un truc, j'en sais rien, mais. Bah, on a. En fait, ça peut. Attends, il m'en faut. Alors, je rappelle que t'es brûleur de masse aussi, hein, tu peux les booster. Ouais, mais regarde l'énergie qu'il y a dedans là pour l'instant. Là pour l'instant, je peux le surcadencer, on a. Vas-y, surcadence. Surcadence son truc de câble. Vas-y, j'ai tout pris parce que j'arrive pas à préparer. Voilà, 3. Voilà. Hop, là il est overwrite. Là voilà, là il va vomir. Là il va vomir du stop mon gars. Là. Attends par contre Là faut passer en MK2 là. Ouais. Faut passer en MK2 là vite teuf. Parce que je crois que ça suit plus. Ah parce que là ça suivait plus là. Ça a commencé à avoir flou là pendant 2 secondes. Il y a un niveau consommation? Waouh, regarde un poteau électrique et regarde le moment où je l'ai boosté. Et ouais. Ah ouais, ça surchauffe vite. Hein. Ouais.
Moi j'ai des tiges et des machins en rab, je vais te déranger. Sachant qu'après on peut aussi éteindre la section du bas. Hein. Il y a un seul câble à couper pour couper la section tout en bas. D'accord. Alors justement moi je suis con, moi il me faut du câble. Oh je vais taper ça. Salut. Il faut de la vis. Parfait, j'ai La vis ça. Il y en a en bas. Ah non, il n'y en a pas en bas, c'est des tiges en bas. Il me faut de la plaque. La plaque, t'en as tout en bas. Non, c'est bon, je vais taper directement ce qu'il y a dans la machine. Hop, on a les deux zones 5, je termine le reste. Voilà. Et j'ai besoin bah, de tout le béton du monde. Tu peux aller prendre, c'est ce qu'il me faut pour le bâtiment. De quoi ? Si tu peux prendre ce qui reste, ce que j'ai ce qu'il faut pour moi pour le reste. Ok. Tu feras gaffe, j'ai laissé traîner des araignées sur le chemin. C'est pas grave, je vais les laisser. Enculé. Tu sais quel jour tu repasseras. Et en plus, ce qui est bien, c'est que moi j'ai pas de lag. Ta gueule. Sinon, je le vis bien. En fait, le truc qui. En fait, les araignées dans le jeu, genre, c'est pas tant le fait de voir une araignée qui me dérange, c'est le bruit qu'elle fait. C'est le petit. Quand elle se déplace là. Ouais. Dégueulasse, hein. Ah. Ah. Je vais faire les recherches pour avoir la matraque électrique, la grande. Ah ouais, trop bien. Le sabre laser. Du mécano. Trop bien. Trop ok. Et donc toi, tu me dis que ce gisement-là aussi était pur. Ouais. Non. Ah ouais, il est pur. Putain, moi, il m'affichait... Et tu sais quoi, il me les affichait en normal quand je suis passé la première fois. Ah bah, trop à vérifier sur la VOD, hein. La fin que c'était de lire. Oh, je pense pas. Hein. Je pense que visiblement, je suis devenu trop vieux pour ça. Alors, le problème des bases, quand tu fais des bases pour faire des trucs en métal, là, c'est que elles sont jamais assez grandes, en fait. Ça, c'est un vrai problème. Il manque 200 câbles et je pourrais le faire. Est-ce qu'on a un gisement de catharium quelque part? Pas détecté encore. Après c'est possible qu'il y en ait un, mais pas trouvé on the map. Ouais non, ça c'est pas intéressant. Ouais, ça... Ah ou alors si, intéressant mais comme ça. Ok ça me va. C'est ok. C'est ok ça me va. Ai-je prévu? Il y en a un à 700 mètres sur une crevasse, sur une montagne. Le quartz, il y en a à 900 mètres vers toi. Et le soufre, il y en a à 2 bornes. Le soufre, ça va vraiment être l'enfer quoi, pour aller en chercher. Ouais. À 450 mètres de moi quand même. Hein. Ouf. Ouais, mais c'est pas si loin en fait le quartz. On pourra quand même prendre un courant. Oui, on sera pas parfaitement électrique. Dans la mer non plus. À voir comment on a ça, mais... Et comment tu veux que j'installe l'ascenseur orbital? Je sais pas, je dirais que tu l'installes, quoi. Ah mais comment? En face de... en face de... Bah en fait que t'es l'ordinateur face... Enfin face au web quoi. Quand t'as passé le truc de recherche, il faut que tu l'aies en face de toi. L'ordinateur... Et il faut qu'il soit assez distant, faut que t'aies assez de place. De la place autour ?
Oui, il faut qu'il y ait de la place autour. Parce qu'on va, va le brancher. Donc, si je le pousse vers le pont de la plateforme, ça le fait ? Alors, je te chargerai bien une partie pour te montrer à quoi ça ressemble, mais je, voilà. Merde, comment on tourne ? Comment on tourne un objet déjà ? Tourner. Scroll up, scroll down. Ah, yes. Bon, je l'ai posé. Au pire, on le démontrera, tu me diras. Ah, c'est juste que là, ici, il veut pas parce que. Ah, il est dans la cloison. Du coup, il veut pas. Oh, petit bâtard. Hop, petit bâtard. Alors. L'ordinateur. Je. Ça m'a l'air terriblement foireux, hein, l'ascenseur orbital. Plaît-il ? L'ascenseur orbital, ça m'a l'air terriblement foireux comme truc. Et comment ça ? Développe ton idée. Comment ? Développe ton idée. On est bien d'accord qu'une planète, ça tourne ? Ah oui, comme concept... Oui, mais la base en l'air aussi, et c'est... Elle se déplace. J'ai plus de béton, quoi. Mais sérieux. Franchement, mais le béton, la denrée rare parmi les denrées rares. Le graal parmi les graals. Pour débloquer le palier 3 et 4, il nous faut 50 plaquages intelligents. Ok, le bâme s'est posé. Peut-être pu mettre un broyeur au sol ici à la limite. Du coup, t'as besoin de béton pour ça ? Ah ouais, je suis sec, mec, mon béton. Je peux rien construire, je suis instantanément sec. C'est un scandale. J'en ai pas beaucoup sur moi non plus, hein. Oh bah laisse tomber, j'attendrai, je repasserai. Hein. Pour l'instant, je pose les autres équipements. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en attendant ? Conquérir le monde ? Je m'aurais répondu à l'été ce dernier, je me serais suicidé, mais c'est bon. De quoi ? Tu m'aurais répondu à l'été chasser de l'araignée, je me serais suicidé. Mais non, voyons. J'ai compris que t'étais un fragile. Pas te torturer plus longtemps, voyons. Je les ai laissés en vie après tout. Est-ce qu'on a 20 de quartz qui traînent quelque part ? Non. Si, peut-être dans un coffre, j'ai peut-être laissé. Mais je crois qu'il n'y a pas 20. Je crois qu'il y a 15. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas de quartz. Tu nous as mis un broyeur en place quelque part là, parce que j'ai besoin de tickets là, mec. Il faut me fie dans le ticket là, faut que je mange du ticket. Tu veux que je lance la production de trucs en ticket ? Ouais, j'ai besoin de bouffer du ticket là. Ça y est, je... qu'est-ce que tu veux que je mette à brûler ? J'ai pas un truc que t'as en trop. Des plaques en fer. Proule du fer. Vas-y. Parce que là, j'ai pas de matos de construction, on est vachement limité. J'aime pas du tout les cloisons qu'on a là ici, c'est dégueulasse. Vas-y. Ah bon, après c'est pour du fer, c'est la première construction, c'est acceptable, mais... Et voilà, je veux dire, il n'y a pas d'esthétisme qui se dégage de tout cela. C'est un peu honteux, quoi. C'est un peu honteux. On peut construire qu'un seul broyeur ? On ne peut construire qu'un seul broyeur. Non, tu peux en construire plein, hein. Tu peux en construire plein ? Ouais, bien sûr. Parce qu'attends, plus de béton. Je vais... Chier, réduire... combien ça consomme le broyeur ? 30 ! Beaucoup. Alors au stade du jeu où on est, si tu veux, quand tu fais ça, tu fais rien d'autre que ça en fait. Bon, déjà on retire l'overclock de ça, on va économiser un peu d'énergie. Ouais, vas-y, on peut galérer. 5, 6, ok, ça c'est bon, les 6 ils sont rentrés.
Pote électrique, les fonderies. J'avais pris de quoi poser 6 fonderies. Est-ce qu'on peut les poser? Ouais, on peut les poser. Bah, je vais poser 6 fonderies pour l'instant, mais je vais juste les aligner comme un gros sac. Parce que pour l'instant, je ne range rien. Simplement, je déploie du merdier. De 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'ils sont toutes? On a 6 fonderies. So what else? Juste des poteaux électriques, des lignes électriques, des trucs de câblage, machin, etc. Très bien. Le câble, c'est facile à tirer. On va tirer ça tout de suite. Ah non, j'ai qu'un poteau. Casse tes couilles. Tiens, hop, meurs-toi. Tu sais quoi? Meurs-toi aussi. Ah! Ça, ça s'appelle une crise, je crois. C'est la crise sanitaire, monsieur? Allô? Allô, monsieur? Il y a 4 Covid, là? Il y a Covid, là. Il y a 4 contacts, c'est comment? Ouais, il y a 4 contacts, là. Il y a gros 4 contacts, même. Oh, ici. Sauter. This is my dream. Oh, ouais. Oh, ouais. Là, là? Là, ici, là? C'est mon rêve. On a le droit d'y croire. Voilà. Je sais pas, un peu de béton là, vite fait. Hein. J'ai pas de béton, c'est la crise, mec. C'est tellement la crise. Mais ta mère! Là, ça redémarre là, normalement. Ah, par contre, trop bien l'ascenseur spatial. Maintenant, on voit. Enfin, l'ascenseur orbital, on voit trop loin. Ça va redémarrer, moi je te le dis. Hein. Alors des fois faut insister un peu hein, pour démarrer une fois, deux fois, trois fois, parce qu'en fait le temps que les machines bouffent à l'allumage, parce que les machines bouffent un maximum à l'allumage. Ouais bah ça y est, ça consomme 129,4 sur 130. S'il y a le moindre truc qui redémarre en plus, ça explose. Ah. Un truc qui a redémarré. Ça met... je vais les débrancher. Qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne et qui sert à... Coupe un des constructeurs de béton parce qu'en fait, il y en a trop. Il y en a trop. C'est déjà fait. Ouais, d'accord. Bah, coupe-en deux. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hein. Parce que moi, en fait, je vais retourner au gisement et je vais aller piquer la petite mine pour retourner sur l'objectif. Je vais aller la poser là, hein, là-bas, comme ça j'aurai toujours du béton au moins craft à la main. Par contre, en fait, juste quand je te dis tu n'arrêtes de fonctionner, c'est que tu arrêtes de fonctionner. Il n'y a pas de. Comment tu la récupères? Une excuse de la con. Comment tu la récupères? Qu'est-ce que tu veux récupérer? Ah, c'est bon, je vais récupérer. Ah, c'est la fausse. C'est parti. Il faut retrouver le bon char. Hein. C'est urgent. Charbon? Ouais. Ah ouais. On peut toujours pas le scanner, hein. Non. Toujours pas. Est-ce que tu veux que j'emmène quelque chose de particulier? Du béton. Autre que du béton parce qu'on ne peut pas en produire. Ah. Si, je sais comment on va faire. Du béton. Je sais comment on va faire. Je vais overclock un moteur. T'as intérêt à savoir lequel parce qu'il va falloir surveiller celui-là. Celui-là il va se mettre à sucer mais tout seul. Il va boire ton âme. Hein. Mais il y a un méchant là ici. Hop là tu m'as loupé. Ah mais t'as débranché la calcaire? Ah non pas encore, ok donc ça va pas tarder. Non, moi j'ai juste récupéré la petite foreuse indépendante de calcaire. Ah oui, ouais c'est ok tout. Je vois. J'ai pas débranché la grosse. Non c'est juste que c'était le temps que la foreuse sous le bas se remette en marche aussi. Par contre on va pas avoir assez de carburant pour... Faudrait que tu me files la tronçonneuse. Enfin. Ouais, je suis pas à côté là. Quand tu repasses bah si tu passes à la mine de fer de toute façon hein, tu vas pouvoir déblayer un peu autour. Ouais, je vais venir faire ça. Je suis pas très loin, je suis en train de déblayer quelques monstres.
pour récupérer un peu de bon char pour la recherche. Et je crois que je vais boire ma soupe froide. Yes. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que je vais boire ma soupe froide. Ah merde. Oh bah il est revenu lui tout seul. Bon je vais l'embrouiller quand même. Voilà. Je vais juste écouter. T'es mort Jack maintenant. Souffrira plus. Où est-ce que t'es du coup? T'es remonté tout en haut? Je vais remonter. J'arrive. Je t'ai dit que j'étais parti tabasser des bestioles. Mais je suis pas loin. En fait, je suis littéralement en bas. De l'entrée de la ligne de fer en fait. Oui, je te vois arriver vers la plateforme. Voilà, je suis juste là. Est-ce que tu peux me donner la tronçonneuse s'il te plaît derrière toi? Oui. Tronçonneuse et. Biocarburant. Merci. C'est bon. Cordialement, la direction. Voilà. On va déblayer un peu la forêt en retournant vers la maison. Puis on va reproduire du biocarburant, on l'a fini. Excellent. Moi, je vous le dis, les araignées, hein. Vous n'allez plus revenir ici, moi. La nature, c'est moi et Schmitt. La façon dont ça a de retirer tous les arbres et toutes les feuilles, par contre, c'est trop fort. Par contre, c'est quoi ça? J'avais mis une balise. Ah oui, ah, c'est bon, d'accord, je suis con. Mais bon, en fait, j'ai fait une route en béton pour y accéder pour rien. Il y a une descente. Enfin, je pense pas à cause du centre de consommation. Et c'est bon, mon gisement de calcaire. Donc il y en a un là. Il y en a un peu plus loin. Ouais. Mais du coup, je vais aller prendre celui-là parce qu'il est proche de la descente qui ramène à la maison. Attends, en fait j'ai fait un escalier en béton point. Mais par contre la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir le démonter pour récupérer du béton. C'est le blanc. Ça on adore. Finalement est-ce que c'est... Ah oui il y avait du quartz ici. Ah oui tu voulais du quartz toi non? Si. Ouais, il y en a un juste à côté je disais. Et j'ai trouvé l'océan si jamais, donc on pourra installer nos pompes quelque part par là. Non, mais ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment un petit bloc vite fait de quartz que je vais tabasser. Si tu as besoin de quartz pour compléter une recherche, j'ai. Ok, bah, il en fallait 25. Putain, il y en avait que 10. Ah merde. Ça bouchait juste un passage. Après je pourrais aller au bout du passage parce que je trouve qu'il y a un truc. Zeb. Il y avait ma Zeb. Ah, il faut que j'aille démonter l'escalier, sinon j'ai pas assez de bitume. Faut craft du bitume aussi parce que j'ai de quoi craft du bitume. Craftons du bitume. Ah, le béton, normalement, j'ai overclocké la production de base qu'on avait à la maison. Je vais faire un peu de soupe. Bon, là, je reviens à la maison. J'ai un peu de bois et je mettrai le reste pour produire de manière propre la maison. Mais j'ai l'impression que les arbres ils rapportent rien. C'est incroyable. Sur un paquet d'arbres, ça fait à peine 11. C'est pas possible. T'es pas chaud pleine, non? Non, je suis plein. Je suis pas plein. J'ai fait vider mon inventaire avant d'aller faire du bois. Alors c'est des petits arbres, hein. C'est des arbrisseaux, hein. Tout fin là. Ah, c'est les arbres à côté de la maison, c'est des gros verts. C'est pas possible.
Là, c'est pas possible. Plus tu mens. 15 de voix. Je te crois pas. Et en plus, tu rames quand tu parles. Comment ? Et en plus, tu rames quand tu parles. Donc, je crois pas. Ah merde. Je pense que t'es juste une mitochondrie. Ah ouais. Ou alors, t'es juste un con. Qui est en train de mentir. Les deux sont probables. Un con qui a menti. Donc maintenant, si tu arrives du mauvais côté, sache que j'ai démonté l'escalier et que donc tes amis les araignées pourront te démonter. C'est important. Non, parce que je sauterai du haut de la falaise pour m'en faire. Voilà. Enfin maintenant, averti. Hein. Un Antonin averti en vaut deux. Ou pas. Ok, ça se fait que ça bougera pas d'ici. Qu'est-ce que je voulais poser? Des pylônes de convoyeurs. Ok, va pour poser des pylônes de convoyeurs pour utiliser plus tard. Ok, je vais poser du potal électrique. Potal électrique. J'en pose 5. Je vais poser du câblage électrique. Ils sont parfaits. Très bien, continuons donc cette construction en béton. Masse béton masse. Théoriquement, il faudrait que j'étende un max par là quoi. Prends le bouton, on va virer ça. C'est trop grand. Attends, il faut aussi que du coup je te construise le truc spécial du magasin là. Le off-sand ? Ça c'est bon, je l'ai fait. J'en ai construit un à la base. À la B2. À la B2. Ouais, ouais, à la base du métal quoi. Ah ok, ok. Bah, parce que j'ai des tickets si tu veux. Je vais aller voir combien il y en a, mais il y a des tickets. Il en faut beaucoup, hein, tu peux y aller. Parce que c'est en train de cramer toute notre réserve de plaques secondaires. De plaques secondaires. Il y en a 6 imprimables. Toujours m'en ramener 6, hein. Si tu passes dans le coin, ramène-moi 6, hein, mais c'est insuffisant. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse cramer quoi pour que ce soit rentable? En vrai, du biocarburant solide. Si, là, ouais, mais on en a trop besoin pour l'instant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux fabriquer de la biomasse toi-même à partir de tes petites mimines et en fabriquer toi-même de tes petites mimines pour la foutre dans la machine qui se vide, dans le stockage qui se vide dans la machine. Oui, mais quand je dis qu'on en a sinon, trop besoin tu pour peux l'instant, aussi c'est qu'on tiens, on a du béton armé, on a du silice aussi dans les stockages. Ouais. Vire-les, hein. Brûle-moi ça. Béton armé et silice. Bah ouais, si tu veux que je te dise, on n'a pas le choix. Mycélium, tu veux dire plutôt ? Non, silice. Ok. Vas-y, je vais aller acheter tout ça.
Ça vaut pas plus cher que des plaques en métal. De quoi, la 6 ou le béton arme? Les deux. Normalement le béton arme ça vaut masse. Hein. Le béton armé, oui, la silice ça vaut pas plus cher par contre. Ouais, la silice, je sais que ça vaut rien, mais c'est normal, c'est parce que t'en produis masse avec que dalle quoi. Donc ça c'est normal, mais bon, au passage ça nous vide des coffres quoi. Et ça fait toujours un truc à brûler. Ouais, parce que en fait on est 720 avec les plaques en métal, et quand le béton armé il est passé, c'est passé à 10 000 par minute. C'est ça. Ça t'a fait plaisir tout de suite. Ok, donc ça, c'est en gros, l'idée c'est que ça se présente comme ça, c'est ça? Est-ce que j'ai vraiment envie que ça se présente ainsi? Est-ce qu'on est d'accord et raccord avec ça? Je suis pas sûr, moi. Et ouais, non, mais j'ai plus un bout de béton. C'est un cauchemar, le béton. C'est vraiment un enfer duquel je ne me réveillerai jamais. Comment est-ce possible d'avoir créé un monde si cruel avec si peu de béton? Il t'en faut combien? Tout. J'ai pris ce qu'il y avait, je te ramène les tickets au passage. T'as que besoin de béton, hein, rien besoin d'autre truc particulier. Non, j'ai des tiges, j'ai de la plaque, on est pas trop mal. Câble, fil électrique. Câble, fil électrique, j'ai posé pareil quelques poteaux avec des câbles dessus. Après, il y aurait tout ce qui sera spécifique au déménagement intégral et à l'industrialisation complète du site, mais c'est moins moi qui vais m'en occuper, ça. Après, j'ai je peux m'en occuper si jamais ça te fait chier, mais... De base, c'était un peu censé être ton petit plaisir. Bah en fait, j'attends surtout qu'on passe au charbon, quoi. Ouais. Ah mais c'est terrible, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment t'attendre au charbon. Tu comprends pourquoi quand tu m'as dit « Ouais, ça va être le charbon, ça va être chiant, tout ça. » Ça va être magique. On va adorer. Ça va être trop beau. Bah, on va... D'ailleurs, il faut quoi pour l'ascenseur orbital? Je t'ai dit 50 plaquages améliorés. Ah oui, d'accord, donc t'es en train de laisser les gens tranquilles, quoi. J'ai même pas encore entamé leur production. Ah, du plaquage intelligent? Ouais. Mais on n'a pas le plaquage intelligent. Ça se fait à partir de rotor et de plaques en fer renforcées. Oh. Attends, je l'ai même pas dans ma liste, c'est-à-dire que je peux pas le faire? Tu peux pas le faire à la main. Non. Forcément que ça passe par une machine. Putain. Ah ouais, t'es obligé de le mettre dans une assembleuse. Ah ouais, tu peux déjà commencer. Ouais, je vais aller construire une assembleuse, je vais poser deux stockages et je vais aller le préparer. J'ai trouvé de la bauxite. En prends. Bah alors? Ah voilà. 49. À quoi ça sert? À fabriquer de l'alu. T'es sérieux? Oh. J'ai déjà plus de béton. J'arrive. Oh, ça me surfatigue. Je connais pas le chemin pour venir de manière au psy. Le chemin opti, c'est en gros, c'est quand tu pars vers l'ancienne mine de calcaire. Et tu tournes à droite en fait. Je suis au-dessus. Ah ouais, bah t'es dans le coin là. Ah, t'es trop loin. Mais tu vois, regarde, si tu viens là où je suis, on voit les gisements, on voit en fait du hub et tout par où il faut partir.
Ouais. Voilà. Où j'arrive, j'arrive. Je vais boire ma soupe froide. Tu bois de cuillère. Vas-y, je suis là. Alors. Du coup. Là, t'as les montagnes de stockage. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi t'as fait ça ici? Ça s'appelle poser des ressources pour effacer sa liste. Pour effacer sa liste. Oui. Je suis parti avec une liste de construction. Ah, c'est trop bien, magasin. Attends, avant d'acheter un truc que je veux pas acheter, tiens. Ouais, pose. J'ai posé dans le coffre tout ce que tu m'as demandé. Béton. Hop. Ticket. J'ai mis à l'envers là. J'ai mis à l'envers, je me déteste. De quoi, le coffre? Ouais. Ah ouais, bah voilà. Et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Attends. Ah, attache murale pour hypertube. Oh. Fixation électrique murale. What the fuck? Mais c'est trop bien, il y a trop de trucs intéressants là-bas. Oui, il y a trop de trucs trop bien. Dans les murs surtout. Dans les murs, il me faut. Est-ce qu'on peut détailler? Ah non, je suis obligé de tout prendre. Bon bah. Ah, tu, pour 3 tickets, tu peux acheter 100 rotors. Oh, j'ai pas assez de tickets, ça race. Ah merde. Et j'ai pris ce que j'avais. Ouais, je te remercie, mais j'ai pas assez. En fait, là, il manque un ticket pour pouvoir acheter les fixations électriques murales. Il me faut au moins ça pour commencer le gros du taf. Le gros du boulot. Je suis baisé. En fait, ce qui est trop bien avec les petites attaches murales, là, les fixations électriques murales, c'est que t'as pas de poteau qui traîne au milieu de ton usine. En fait, t'as tout le courant électrique qui court sur le côté de ton usine. Et du coup, t'as juste à paf paf brancher les machines qui sont posées contre les murs. T'as pas de vieux poteau dégueulasse qui traîne au milieu. Écoute, du coup, tu disais, il y a le chemin. Tu vois le chemin d'ici? Ouais. D'où? Regarde bien. Ouais, il est juste là en fait le chemin. Ah ouais, ok. Et en fait si tu suis la balise de béton, de bébéton parfait là, regarde quand on se pose là, on voit à peu près comment il faut partir. Tu vois là? Ah ouais, faut remonter plein nord en fait, comme un gros bourrin quasiment. Bon, pas tout à fait non plus, mais en fait ça t'oblige à couper vers la forêt. Moi ce que je faisais au début quand j'avais pas le repère, c'est que je partais en fait vers le gisement de... Le gisement qu'on exploitait de béton. De béton, ouais. Et après, hop, je repiquais donc vers le chenord, le chenord-est. Oh, salut le gros là. T'as flippé? T'as flippé là un peu, non? Bah, en fait, je voyais un truc là. Bouger devant et je cherchais à savoir ce que c'était. Et du coup, maintenant, je me fais courser après par un frappeur. Le truc, c'est que vraiment, au début, en fait, ton stick électrique, c'est de la merde, quoi. Eh, ça tue quand même des bestioles, hein. J'en ai tué un paquet, mec, hein, des bestioles, avec. Avant de dire que c'est de la merde, mais... j'ai envie de te dire, j'en ai quand même tabassé quelques-uns. Hein. Donc, attends, production. Faut que je m'assemble une assembleuse. C'est rigolo ça, assembler une assembleuse. N'oublie pas de ramener du ticket à l'occasion. Pas pour le moment. En vrai, il m'en manque juste un. Ouais, mais pas pour le moment quand même. Pourquoi? Absolument pas contre toi, hein, mais. Juste que je vais faire l'assembleuse et que je vais mettre la production du... Package intelligent à se faire. Ouais, pas tous.
Moi c'est juste qu'avec un ticket, je veux dire, on pourra brancher toute l'usine. Pour l'instant, de toute façon, je peux démarrer sans, j'ai pas de béton, j'ai rien, y a pas d'urgence, mec. Y'a pas d'urgence immédiate du tout. De toute façon, il n'y a que un ticket qui est prêt dans le broyeur. Bah, ça suffit un ticket. Ouais, je te le prends. Ouais, je l'ai sur moi. Un ticket. Tu reviens à la maison, je le pose dans un coffre, tu le récupères. Comme ça, tu récupères le béton. T'as du béton aussi, non? Bah, j'ai overclock la dernière qui reste à produire du béton, quoi. Ouais, récupère ton overclock dessus, hein, si tu veux. Parce que moi, en fait, je risque de ne pas bouger d'ici, parce que j'ai pas besoin de bouger d'ici. Vu que j'ai ma mini-mine en fait à la con, alors j'avance pas, hein, mais en fait faire l'aller-retour, je sais pas si c'est plus rentable pour moi, en termes de temps. Temps et d'argent. Bah, j'en prends du 37,5 par minute de béton. Donc là, le temps que j'étais parti, bah il en a déjà produit 200. Je fais 4 rotors. Essayer de mettre en place une production de rotor ici, si je peux. Comment ça? Là où il y a l'usine de fer, enfin, l'usine moderne. Non, là où moi je suis, non. Ah bah si tu veux, mais encore une fois ton site il va sauter, mais oui, vas-y carrément. Bah en fait c'est pour pouvoir que le, pour faire en sorte que le, comment ça s'appelle, ce qu'on a besoin pour le merde. Pour le plaquage intelligent, ça passe tout seul à la maison? Ouais, non mais carrément. Non mais je suis pas le contraire, vas-y carrément. Pas de soucis, hein. Il manque des câbles électriques pour faire ça. Et après, je ramènerai tout ce qu'il faut pour construire là-bas tout ce qu'il nous faudra. On peut aussi construire des broyeurs à l'infini. Des broyeurs à l'infini. Ouais. Oui, des tu gros peux. Broyeurs. Oui, y a aucun bâtiment qui est unique. Hein. Bah si. Bah non. Enfin si. Le hub. Il y a un bâtiment qui est unique. Le hub et l'ascenseur orbital. Quoique l'ascenseur orbital. Ouais, je oui, pas et sûr. Le hub. Ouais. Enfin le binet de la capsule, il est un peu étrange, mais oui. Le hub, la capsule et l'ascenseur orbital. La capsule? Quelle capsule? Oui, parce qu'en fait, quand tu commences le jeu, t'arrives en capsule et tu démontes ta capsule pour en faire. Voilà. Ah, ouais. Pour en faire, voilà. Ça peut être plus clair, hein. Oh, c'est long ce truc. Voilà. Alors en plus, faut que je vienne vider mes poches parce que j'ai les poches pleines.
Oh, c'est trop chiant, je vais m'arrêter là. D'accord, qu'est-ce que c'est trop chiant? J'étais en train de te fabriquer du biocarburant solide, c'était trop chiant. J'ai beaucoup trop de biomasse. Ah, mais... attends, ça fait pas chier. Trop de biomasse sur moi en fait, donc trop chiant. Yay, le coup de téléphone. Le boulot. Tu crois toi? Le boulot à cette heure-ci? Quel bande d'enculé. Mon téléphone il marche pas. Des os? Oh mince, c'est bizarre. Ça revient, hein. C'est dommage. Technique 9, tu connais le j'ai plus de batterie. En fait, quand tu m'as appelé, mon téléphone il s'éteint. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais oui, parce qu'il fallait que je te dise. Ah, attends, là en fait, je. Ouais, mon cerveau vient de s'éteindre en fait. Dommage. Tu me diras ça une autre fois. C'est un gilet de bon char ça. Que dalle, c'est un gros caillou. L'extension, parce que sinon je vais me perdre le départ, j'ai terminé. Je peux peut-être encore avancer là-bas. Parfait. Je vais mettre la rampe un peu plus douce. Il y a juste une rampe ici. Ok. Et là, on les touche. Et l'autre il se balade au milieu de la base comme s'il était chez lui, c'est pas possible ça. Quelqu'un va lui dire qu'il est pas le bienvenu ou que je fasse moi-même. Ah non, la ça base est... Là, hein. Il est plus bas. Ah non, il est plus bas. Ah non, le et bâtard. Bas. Ah non, me dis pas que je peux pas te glisser là. Ah, il y a trop de trucs. Au secours. Viens. Ah non, parce qu'il est pas surélevé. Je me suis guacamole tout seul. À ce point-là? Ah, je peux pas le passer là non plus. Au secours! Mais j'ai fait de la merde. Art design est mort. Mon art est mort, mec. Tout ça tu supprimes, on va directement du coup surélever toute la base. Hop, ici on va faire pareil, on surélève, je vais pouvoir entendre parler. Et là on pro-condamne ou on peut... Ah on peut pas pro-condamner alors, on pro-condamne pas. C'est comme ça. Ok, va pour ça. On va garder ce modèle là. Go dresser des murs. Repousser tous les aliens. Ah, j'ai plus de petites placasses en métalasse. C'est dégueulasse.
alors qu'il me reste du béton. Alors ça c'est vraiment dégueulasse. Ça c'est pas juste. C'est pas juste. Oh, je vais reviendre vers toi. Non. Pourquoi non? Non. Si. Non. Oui, j'ai avec des copines. Non. Si. Alors, je fais vraiment que le strict minimum des plaquages intelligents. Je t'étonne pas. Ok, on ne hurle pas. C'est vraiment pour débloquer les prochains slots. Hein. Ouais, mais moi je connais pas, y'a pas de soucis. Tu m'as entendu gueuler une seule fois depuis le début. Ah. Par contre, je crois que le système a gueulé. Je suis pas sûr, mais je crois que le système a dit pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord. Ouais, si on veut faire les plaquages intelligents, ça veut dire qu'on fait plus de tickets. Non, mais vas-y, arrête les tickets, il m'en fallait juste un pour pouvoir commencer. Ok. Après, si t'en as là quelques-uns, tu me dis. Mais... Je vais voir si t'en as refait, mais. Hop. T'as posé une boutique au QG ou pas? À la maison? Non, j'ai pas de boutique à la maison. Je sais que les plaqués des vis, on va peut-être te faire ça. J'ai pas de vis, hein. Mais mec, tu déconnes? Ouais. Moi, j'ai des plaques, déjà. Je vais même te faire des vis sans toucher à ton stack de vis. Ah, quoi que les vis attendent. Ah ouais, t'es caté. Non, mais cherche pas. T'occupe. Je gère. T'es caté. Juste par contre, c'est la maxi rentabilité. Hein. Tôle de cuivre pour. 6 tôles de cuivre, 52 vis pour 3 ressorts, c'est le meilleur truc qu'on a. Hein. Pour faire des ressorts. Ah oui, c'est la meilleure vie. Hein. Je te dis, hein, les trucs intermédiaires, c'est cool. T'es foutu là-dedans, c'est comment? Attends, j'ai un bout de bois à glisser. Hop, je te glisse un bout de bois. Hop, je te glisse là-dedans. C'est tout sauf au petit ce que j'ai fait à la maison. C'est vraiment pour faire le truc et après on s'en va. Ouais, aucun problème. Hein. Mais mec, les coffres ils sont pleins. Qu'est-ce que tu me dis qu'on a rien? Les coffres ils sont pleins. Alors, je veux les coffres, ils sont pleins. Le mec il me dit j'ai pas de vis. Le mec il me dit j'ai pas de vis, en fait je viens de vider les coffres, c'est bon, il y a tout est dedans. La honte. Voilà. Il est où le ticket? Dans la boîte. Je le pose dans la boîte. Tac. Il est pas dans la boîte. Sûr. Ah bon, c'est pour ça. Là. Merci. T'es pas acheté. Bon, après il y a les portes, il n'y a pas d'urgence immédiate. Fonderie, le véhicule, on s'en fout. Les passerelles, ça aurait été bien. Je vais économiser de la place, mais pour l'instant, on s'en fout. On va construire ça. Sans pète, en vrai. Barrière d'usine, c'est top. C'est pas urgent. On a le plus urgent. Le plus urgent, on est pas mal. On peut travailler avec ça. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce Mercer? Ça dégage. Il te fallait combien de machins pour débloquer Quartz? Il m'en fallait 25. Non, 20, c'était pour la silice. Ah merde, 20, bah ouais, je crois. Ok, donc que j'en ai bien 10 sur moi, t'en as bien 15 dans le coffre, c'était bon, tu peux tout débloquer. Donc si je viens de te le débloquer, c'est fait. Je te range le bon char dedans. Le béton, t'en produis là-bas du coup aussi. Le béton, j'en produis là-bas du coup aussi. Non, j'ai juste le petit truc pour fabriquer à la main en appoint. Si besoin est. Ok. Tout ce que j'ai, je vais poser tous les biocarburants possibles du monde imaginable. Je vais vite fait craft un maximum de feuilles en biomasse. Tac, 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 tac. Voilà. Que je vais te rajouter ici. Voilà. Niveau énergie, comment on est là du coup? Je suis en. Allez, c'est parti, on va overclock la production de ça. J'ai un bout de bois. Pourquoi il voulait pas me prendre mon bout de bois, c'est ça? C'était quoi le problème? Pourquoi il produit pas lui? Il est là. Qu'est-ce qu'il produit trop vite? Ah, il produit trop vite par rapport au tapis, putain. Alors ça, faut le faire. Quoi?
fait, la production de biomasse à partir de bois, en fait, s'en produit tellement et tellement vite que la machine, elle se bloque, elle s'arrête. Ah merde, attends. Ça fait des 20 biomasse d'un coup et pouf, et donc, du coup, d'un seul coup, la machine, elle s'arrête parce que le tapis vide pas assez vite. Mais c'est pas grave, t'es caté, hein, moi, je vide à la main, puis de toute façon, il y en a largement assez dans la machine devant, hein, t'inquiète. T'inquiète pas, va. Ça pouvait se permettre de fonctionner un petit peu au ralenti. Ouais, ouais, mais du coup, ça marche. On fait 3 plaquages intelligents par minute. Malheureusement, c'est tout ce qu'on peut se permettre actuellement en termes d'efficacité. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui produit du béton, hein? Celle-ci. Je te mets ça là. Il y a du béton là-dedans. Bon, parfait. Magnifique. Voilà. J'ai envie de tout prendre. De tout prix. Attends, du coup, je voulais regarder. Ici je vais poser ça, et puis là c'est la feuille qui ne sert à rien. Et même tes minerais, hein, je vais les transformer. Et tes minerais, je vais les transformer en lago, hein, c'est parti. Hein. Regarde ça. 4 rotors par minute. De 4 rotors par minute en production classique, avec l'alternative, t'en fais 11,5 par minute. Ouais, c'est moins chiant pour lui. Ouais, parce que t'as pas besoin des tuyaux. Quand t'as pas de gisement pur de cul, t'es bien content. De fer, tu veux dire. Non, ça te prend des taux de cuivre. Ouais. Ouais. Bah c'est du taux de cuivre, c'est du cuivre. Ouais, mais je veux dire, quand t'as pas de gisement pur de fer. Parce que sinon tu fais la tige de fer à la vis de fer. Le rotor de base il bouffe du cuivre, on est d'accord. Non, le rotor de base il prend tige de fer et vis en fer. Ah. Et c'est 5 tiges de fer, 25 vis pour un rotor, alors que là on est à 6 taux de cuivre, 50 de vis pour 3 rotors. Là, des tôles, parce que... Comment? Ah oui, là c'est le custom qui bouffe des tôles. Oui. Oui, c'est vrai que moi je faisais ça parce que je n'utilisais pas assez de câblage ni rien, j'avais du cul sur les côtes. Donc je faisais ça. Là, je fais juste parce qu'on n'a pas de gisement de fer efficace et que, ni que sa mère le fer, on a du cuivre à utiliser, autant utiliser. T'as des constructeurs qui sont vides là pour accueillir des lingots de fer pour le craft. Tu veux crafter quoi? C'est juste que je suis en train de transformer 150 lingots que t'avais, enfin 150 fer brut que t'avais en réserve en lingots de fer. Je veux savoir si t'avais une machine qui pouvait les absorber ou pas. Une fonderie? Ah non. Ici j'ai rien qui est optimal, genre vraiment j'ai que ce qu'il me faut pour produire ce qu'il me faut et pas plus. Okay. Je remettrai la production. T'as besoin de plaques de fer renforcées, toi, non? J'en ai plein de stockés. D'avance. Ah, attends, je vois. On avait aussi. Hein. Ah, t'as tout pris? Bah, j'ai vidé. Tu me disais que t'avais rien, mais que t'as tout dans tes coffres. Oui, non, mais je vais dire. Ce que j'avais gardé, c'était pour aller construire là-bas. Construire où? Là-bas, sur le gisement de fer. La B2. Voilà. Dans d'autant de merdier. Bah pour construire tout ce que je voulais, oui. Puisque j'aurais voulu, ces gens. Être un artiste. C'est ça. C'est ce que je me disais. Non mais c'est pas. Si j'avais mis du stock d'avance de côté pour pas. Ah ouais, t'aurais pas 25 routeurs qui traînent dans un coin là. Rotor? Rotor, ouais. Les rotors pour Stator. Attends, on a des cadres modulaires ici. Attends, je vais pouvoir bricoler un truc intéressant. Je te bouffe tes plaques de fer renforcées, t'en as pas besoin. Celle que t'as prise, bah vas-y, hein, peut-être. T'en as pas besoin des autres. Je vais boucler une recherche, mec, c'est vachement important. Pour faire quoi? Ah, les gâtelants. Je crois en plus, ouais. C'était laquelle? Non, même pas des os. C'est pour l'inhalateur médical. Ah. Du coup, t'as le bord. Donc, je vais mettre un objet lourd. Ça touche.
finir ma soupe, je vais me lever, je vais vider mon standard, je vais ouvrir une fenêtre, je vais finir le club, ok? Parce que j'ai le temps. Allez, clairement là, là j'ai le temps. Ah ouais, là t'as le temps, surtout qu'en plus bah, j'attends le câblage. Donc obligé de faire ça, le plaquage. Donc bon. Non mais j'ai même de la silice sur mon... Je peux partir au broyeur, ça je crois quand même. Le broyeur est éteint. Super long, bien sûr. Je vais faire mon truc. Parle à YouTube, raconte-leur des choses. Bonjour YouTube. Bonsoir. Tu sais, t'aurais pu attendre ce plaquage avant de relancer. Ah non, non, mais on est toujours dans le même épisode en fait. Ah ouais. Moi je t'explique en fait. Hein. C'était un petit peu un lol prank, tu vois. Un prank of lol. Un lol of the prank. Alors si, on peut intéresser YouTube à un truc qui n'intéressera pas du tout. Hein, mais, figure-toi que j'ai fait une très grosse commande sur Black Book Edition pour commencer à recevoir moult matériel dont des choses aberrantes comme des fausses pièces de monnaie pour pouvoir faire du JDR hier, incroyable. Vraiment, si vous motivez là les trois gadgets là à monter un week-end là en mars là, c'est trop faire, je vous refais votre week-end. Pour ça faut vous motiver. Oh, je suis motivé. Bah motive-toi avec les autres hein. Faut trouver une date pour tous les trois hein. Si on monte à Paname, tout ça. Dandra, tu peux monter en train et moi je peux choper Arthur et monter en bagnole. Bah concordez-vous. Concordez-vous et dites-moi la date. Et je m'arrange avec le Jody Joba. Je suis allé voir la police, je vais dire bah je veux juste la salle de manger. Pourquoi? Parce que et là tu lui lances un dé dans la gueule. Je lance un dé, je fais 20. Je réponds, je veux une augmentation. Ouais. Et le boss qui est dans son bureau répond, je suis d'accord. À travers la porte. Très ok. Là j'y suis bientôt. Hein. Encore un petit cadeau modular et on est bon. Alors voilà. Alors. Voilà, tu fais des vis pour essayer d'augmenter la production comme je. Et mycélio, message cosmique. Et 10 mycélioles. 10 de 10, fixe la poule. On va ici, organisme extraterrestre. Ouf, on fait la recherche, 5 minutes. Alors, je vais peut-être pas demander 25 rotor stastor. Hein. Je pense que tu vas me détester si je te demande ça. Bah, en fait, surtout que j'ai pas la production de rotor nécessaire pour l'instant. Par contre, une fois que j'ai fini les plaquages, tu prends ce que tu veux, il en reste 23. Est-ce que t'aurais genre 250 vis potentiellement à me filer? 250 vis, vas-y, je fais ça.
Non, bah attends, je m'en mets pour rien, je peux les faire. Je suis en train de les... En fait, je peux les craft. Ah oui, trop tard, je suis sûr. J'ai de la tige. Donc je vais craft. Mon but étant de toute façon d'essayer d'avoir... Après par contre si tu as besoin de rotors constants, je peux laisser le l'autre truc produire des rotors à mort. Bah tu peux essayer de faire du rotor en réserve déjà. Parce que je sais qu'on va s'en servir, on va en avoir pour des galons ou des choses comme ça. Ah vas-y, je vais les tourner. De toute façon je vais les laisser tourner en rotor et en plaquage. Pas en plaquage intelligent parce qu'on n'aura pas besoin de suite, je pense pas. Combien? Du plaquage intelligent? Non, moi mon truc là, je suis plus cher. Ouais, c'est ça. Et 250. Est-ce qu'on peut fabriquer l'alternative des ressorts? Non. Pour l'instant, non, parce que je crois qu'on peut faire intervenir du catérium dedans. Ça, on n'a pas ça. Ça je tu peux me faire un peu de bobine ou t'as un peu de bobine? De bobine. De bobine électrique. On a une réserve. Fil électrique, quoi. Fil électrique, quoi. T'as un peu ou pas? Sur moi, ouais. Mais sinon, il y a un truc qui produit que ça. Hein. Là, je suis le devant toi. Ok, super. Mais putain. Merci. Oh oui, bah d'accord, on t'en donne un petit peu. Du coup, c'était en fait, c'est des stocks de 500. Ouais, et pour les faire juste après. Et on a, comment dire, on a une mine de cuivre qui produit que ça. Ça fait des tuyaux, des lingots de cuivre, parce que je sais pas à quoi ça peut servir, donc j'en fais d'autres en rab, et du et des fils de cuivre. Oui, tu fais bien. Bah, entre autres, on en aura besoin quand on ira construire des pompes à eau, des tôles de cuivre. Parce qu'en fait, ça consomme de la tôle de cuivre et tous les conduits. Donc tu fais bien d'en faire. Ça, c'est pas et, puis, ça sert à, et puis ça sert actuellement pour les retards. Exact. Faire de la tige de fer en attendant que mon truc se termine. La tige de fer, si on a besoin, tu peux aller en prendre en bas. J'ai toujours ton pack de lingots, je suis en train de transformer en tige. Oh merde, attends, check-up réservoir des réacteurs. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. On va se contrôler, je sais pas lesquels t'as up, J'en ai up qu'un seul. Dans le petit coffre de droite du recherche lab, c'est que des trucs qui peuvent aller à la poubelle, c'est dans, enfin, au broyeur. Ah quoi que non. Ah non, va falloir garder les feuilles. Excuse-moi, j'ai envie, il va falloir garder les fleurs. Le cadre modulaire aussi, hein. Non, cadre modulaire, non, c'est pas nécessaire, parce qu'on les produit deux par deux, donc à chaque fois, tu te retrouves avec à devoir produire un chiffre pair, et donc t'as toujours un cadre modulaire qui traîne. T'en as pas besoin. Parce qu'en fait, je te rappelle, on en avait 7, on en avait trouvé 7 dans la boîte, dans le truc là. Mm-hmm. Et bah, du coup, on est sur un chiffre impair, donc il y en a toujours un dans le lot qui sert à rien. J'ai sauté pour récupérer les noix de péril qui sont sous la maison, qu'elles puissent repousser. Parce que c'est vraiment le seul truc qu'on a laissé vivant. Hein. Ouais putain j'ai pas trouvé une baie sauvage là. Tu veux que j'enfile? Non la baie. La baie rouge. Ah c'est ça, ça se trouve dans les forêts. Dans les vraies forêts. Et ouais. Pas dans les forêts désertiques. Là faut qu'on fasse du fil actif, puis à partir du fil actif faut qu'on fasse des machins. Ah oui il en faut 3, s'il te plaît. Faut tellement de catérium. Pas tout de suite. Ouais parce que nutriments, ouais il faudrait deux pauvres paléo-belles. Voilà, on a fait la recherche médicale monsieur. Allez. Ah mais on peut faire le truc de la limace jaune aussi. J'ai ce qu'il faut. Enfin il manque un peu de câble. Et je pense que ça se fait sans trop de problème. Bah le câble c'est. Viens voir c'est ici. Attends, je lance d'abord une autre recherche. C'était ici. Voilà. C'est là où tu es, c'est ça? Ouais, je saute dessus.
Ah oui, mais je parle de câble électrique. De bobine, ah, pas ça, bobine. Ça, non, ça tout seul. Oh, je vais faire. Je vais faire du câble. Je vais faire sur du câble un peu. C'est relativement facile à produire, donc. Oui, ça va assez vite. Oh, je sais pas combien il m'en faut. Je vais faire un petit pack. Bah, t'as plutôt une belle prod, hein. Même si on se marche dessus, t'en sors bien. J'ai improvisé avec ce que j'avais. Oh, ça tombe hein, pour l'instant. T'as du chulon en réserve. Le rotor tourne pas super bien, y a pas assez de disques qui rentrent. Du coup, je mets des vis dedans à la main pour que ça marche mieux. Pour l'instant, pour que ça produise les plaquages à un bon rythme. Parce qu'à 3 par minute, tu peux te jurer que moi ça me gonfle. Ouais, je te crois. Sachant que j'ai mis un overclock dedans. Ouais, pas plus. Non, sinon ça fait tout sauter. Et ça sert à rien, je produis pas assez de. Tu me produis pas assez. De rotor pour en mettre plus dedans. En gros, faudrait overclock les tiges, la vis, qui produit le rotor, plus le plaquage. C'est pas rentable et on n'aura jamais l'électricité pour overclock. Ouais, non, tu fais bien. Ça remet un peu de patience. Bah comme moi pour finir ce truc là. 2 minutes à poroter. Parce que si on veut faire un truc propre, vaut mieux prendre notre temps que de se précipiter et de voir tout casser toutes les 20 minutes. On produit plus de biomasse. Ouais, il n'y a plus de bois dedans. Plus de biomasse solide, tu veux dire? Pas de biomasse de base, non. Pas du biocarburant solide, de la biomasse. Ah ouais. Bah attends, je vais en prendre un petit peu. Oh bah, il y a du temps, franchement, il y a du temps. On a le temps. Oui, il y a de la réserve pour chauffer. Après, ça te fera économiser de l'électricité. De quoi? Ça te fera économiser de l'électricité. Pas tant que ça en fait, ça consomme que 4. Que 4 et dans tous les cas je peux pas couper un moteur. Non, c'est pas tant que ça. Ah, mais c'est pas gênant parce qu'en fait les brûleurs et même pour le charbon, pour les brûleurs je sais pas si c'est mais à partir du charbon. Ce qui est bien c'est que, je vais me dire une connerie, si j'ai 8 centrales qui tournent alors que je pourrais fonctionner que sur 2, toutes les centrales vont brûler beaucoup plus lentement. Ah non, là les brûleurs ils brûlent tout le temps même. Plein régime tout le temps. Ouais. Et c'est pour ça que le charbon c'est le tout. C'est la vie. Mais il faut qu'on trouve un gisement, qu'on fasse des réserves et tout. Qu'on fasse venir jusqu'ici. Qu'on mette en place tout un réseau de pompes avec de l'eau de réserve en cas de coupure. De courant parce que le charbon c'est vraiment atroce à lancer. Oui, ça se passe bien. Moi je sais que sur une de mes parties j'étais super loin de l'eau et il fallait que j'alimente mes pompes avec un système électrique en dehors de ma centrale. Oui, alors c'est pas ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire c'est amener ton charbon brut à la rivière en fait et planter toutes tes usines à la rivière. Parce qu'en fait, ouais, mais avec du NK2 pour alimenter une douzaine de centrales overclock niveau 3. Et le charbon ça débite hein, mec. Hein. Ah mec, le charbon ça débite. Hein. Les deux bah, produits, hein. Que le plus rentable c'était d'amener l'eau. Ça coûtait moins cher en ressources. Oui, ça coûtait peut-être moins cher, mais le problème de l'eau c'est que l'eau supporte mal les longs trajets en fait. C'est pour ça. Il ouais. Fallait pas hésiter à mettre plus de ressources et n'alimenter que petit à petit, tant pis, tes usines à charbon. Pas ben, planter tout de suite tout ton parc en charbon. Mais au moins, t'aurais pas été en grave. C'est un espèce de bordel. Tu peux pas aller disquer un peu de merdier là, à gauche à droite là, parce qu'il me faut des feuilles, des fleurs. Là. Il te faut des feuilles? Des fleurs. Des fleurs? Ouais. J'en ai... Il t'en faut combien?
Une centaine. Ah, une centaine. Ok, c'est ça qui est bloqué. T'en as 97 qui traînent dans un truc à côté de toi. Attends, ça, je peux peut-être. 94. Où ça? À côté de toi, dans le coffre. Ah ouais. Attends, je peux peut-être déjà lancer une recherche. Ah non, il m'en manque 4. Il m'en manque 6. Vas-y, vas-y, je pars disquer. On a ouvert celui-là ou pas? Le vaisseau qui est juste en dessous. À côté de nous, ouais. On l'a ouvert. C'était celui qu'il fallait alimenter à coup d'électricité, je crois. Non, celui qui est juste en dessous de nous, vraiment. Ouais, pied là. Non, nécessite 21 rotor. Ah, bah non, on n'a pas alimenté. Ça pourrait se faire. Parce qu'à mon avis, 21 rotor, c'est un disque dur dedans. Ouais. Très bien. Pas de souffle, ça c'est la merde. Ça c'est 25 rotors, on les a pas. C'est dommage d'ailleurs. Il faudrait 50 rotors et on pourrait débloquer les pistolets à barre d'armée, tu vois. Mais ça sert à rien parce qu'on l'intérêt c'est de passer au fusil. Direct derrière. Soufre et charbon. Que du plaisir. Que du plaisir. Et les jalons du monstre, ils sont sur où là? Regarde, ça doit être mal placé. Je vais te rendre fou, mon pauvre ami, mais il est mal placé. Ah ouais? Ouais. Bah, récupère ce qu'il y a dedans et. C'est repris. Trop tard. C'est envoyé. Oh, il y a une grotte ici. J'y vais pas. Mais si, putain, j'arrive. Bah, elle marche haute. Non, je pense pas. J'ai pas fait de grotte par là. J'arrive. Tu peux aller par là? Non. Parce que s'il y a une petite limace violette, hein. Bon, ça m'étonnerait. Ah oui, je la vois. Yes. J'arrive. Moi, je débite des arbres à côté. Je vais remettre en place une production de biomasse un petit peu. Ouais. Parce que ce qu'il y a aussi dans les grottes, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a du mycélium. Comment? Et du mycélium des fois dans les grottes. Ah ouais. Ok, une limace verte. C'est quoi la menace avec la... Oh, t'as bien fait de pas venir. Des araignées? Ouais. On devrait? Ouais. T'as bien fait de pas venir. Ça ressemble à quoi le mode arachnophobe? Ça marche pas le mode arachnophobe. Si, normalement ça marche. Il y en a une au-dessus, tu l'entends? Non, c'est pas ça, c'est leur cadavre qui se suinte. Ouais. Des bruits dégueulasses. Hein? C'est quoi ce truc? Je vais aller voir. T'as vu gros cube blanc? Où ça? Ah, en haut de la montagne, là où je vais. T'as vu là sur le rebord? C'est pas très loin. Le gros cube blanc sur la montagne. Il y a pas un truc. Très... Ah putain, ouais! Putain, ça va, toi, c'est sautage! Putain! Ouais, sans faire tomber l'œil. Ah, en plus, c'est un boss celui-là? Non, c'est un petit. Ah, c'est un summer scoop dessus. Faut que je le prends. C'est pas le taper. Oh, il y a une limace violette là-haut, quoi. Oh, mais ta mère, quoi, le jeu, quoi. Quoique. Attends. On dit ta mère, le jeu. Mais en vrai. Un petit escalier de l'apocalypse, là. Ah, mais il y en a une violette ici aussi. Mais jamais je peux l'atteindre, ça va, par contre. Celle-là, trop de gaz toxique, je le jette. Alors que celle-là. Petit escalier de l'arnaque, là. Petit escalier de l'escroc. L'uranium, je fais en sorte d'aller mourir avec au milieu de la base. Hein. Ouais, sinon tu peux le poser aussi.
t'en fous plus. Moi je sais. Moi je sais tellement qu'il faut pas jouer avec mec que. Mais en fait je me fais chier pour rien avec mon escalier d'arnaque hein. Il y a un chemin sur le côté. Oh, super. On va prendre le chemin. Enfin, le chemin. Il n'a pas l'air très très coopératif non plus. Ça se fait. Mais c'est engazé encore, putain. Je me saoule avec leur gaz là. Je peux pas accéder. Je peux pas du tout accéder ou on peut tenter d'escroquer un truc. Par contre, c'est pas un boss. C'est Headshot qui m'a sorti là. Espèce de terroriste. Ok, du coup on a déverrouillé les étages d'après, alimentation au charbon. C'est ça que tu veux qu'on fasse en premier hein. Le bon char, ouais. J'ai dit le bon char. Allez, hop, c'est des paléo baies, ça. C'est des paléo baies. Paléo baies. Comment je vais faire mon coup? Je crois que c'est un don. J'arrête le package intelligent hein, même pour le prochain étage. Allez, pousse toi. Hop là. Hein? Non, il y a un truc qui pousse. Ok, ok. Ok, c'est quoi? Bonza. Paléo Bay. Ok, monstre bosh, c'est parti. Je t'ai déposé les fleurs dans le même coffre que tout à l'heure. Ok. Et voilà. Ah, j'ai des champignons, je sais pas si ça t'intéresse ça. Ouais, mais si, ouais, tu prends. Non, non, des champignons. La Garrick Lardon. Ah oui, oui, on prend le prends les Garrick. Non, mais je te les pose dans le coffre, je les avais déjà pris. C'est vrai. Moi j'ai trouvé un petit îlot de forêt là. Oh mon gars, j'ai fait d'autres stocks de paléo bête pour le game. Hein, parce que je crois pas qu'on en retrouvera d'autres. Il y avait pas un deuxième truc d'escroc là. Bon, c'est tout. Ah, il y en a pas. Excellent. Excellent. Ok.
Ok, ok. Maintenant qu'on a ça, il me faut 50 cutters et il me faut surtout des câbles. Commençons par les câbles. Et bien cette grotte était très rentable. Grâce à ces grottes, j'ai vu plein de choses. Ah. Et ça, c'est top. Ah ouais. Ah, bien joué à toi, c'est toi qui l'as trouvé cette grotte. Moi, je cherche des fleurs à la base. C'est bon, t'as un vrai impact en cherchant des fleurs. Ça c'est fait, en retard, combien j'en ai de stocker? Un petit peu. Allez. Le bon char, c'est bon. Je lance. Non, il te manque 10 plaques. Ouais, je sais, mais je l'ai récupéré là. Et c'est bon. Regarde. Hop. C'est parti. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass. Depuis la base. Où est-ce qu'il y en a? Oh putain, c'est long. C'est ultra loin. 1300 mètres. 1600 mètres. Oh là là, sur une région qu'on n'a pas explorée. Ouais. Oh, tout est mètres. D'un côté, quoi. Quoi? Au secours. Pourquoi au secours? Bah parce qu'il va falloir y aller. Et il va pas falloir trembler du cul, il va falloir y aller en sachant que faut tout emmener, faut rien oublier quoi. Ah oui, tu m'as dit des points. Faut rien oublier. Faut qu'on parte pour installer là-bas une usine qui fonctionne dès le début. Ah bah si on part sur le charbon, ouais, mec, ça a 1400 mètres. On va tuer tout ce qui traîne sur le chemin, enfin ça va être un bordel quoi. Ça va être un vrai bordel. Il me faut des agarics lardons. Il y en a, il me faut ça. Ok, c'est parti. 3 secondes, vas-y, débloque. Et ça, c'est un truc. Ouais, c'est fou la paix, quoi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais. Tac, complètement ce stack là, super. Alors, juste avant qu'on parte, il faut que je fasse 2-3 trucs quand même. Mais ça va être plus que 2-3 trucs, parce que moi là, je pars pas comme ça, mec. Et puis je crois que j'ai déjà une usine qui est en cours de boulot. Hein. Bah, déjà, je fais un stockage pour les grosses plaques. Alors. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais aller poser des stockages. Je vais poser des boîtes de stockage. Où est-ce que je peux les mettre? De stockage de quoi? Ok. J'ai stocké quoi dedans? J'ai posé deux boîtes de stockage. À gauche, je l'établis et pas touche. Ok. C'est ce que je vais prendre pour partir. Okay. Alors, si on part là-bas. Il nous faut pompe à eau. Faire une pompe à eau, il nous faut rotor et ça. Ok. Alors, par rappel, hein, ce qui est dedans est strictement réservé, on touche pas. Je touche pas. On ne jalouse pas, on ne regarde pas de travers, on ne renifle pas trop fort.
problème. Autant qu'il n'y a pas de béton, je trouve. Il y a du béton dedans. Ok, il n'y a plus rien dans la boîte. Le mec, il vient de se faire saisir à une vitesse folle, quoi. Ouais, okay, en fait, désolé. On marche deux des machines à béton, hein, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ok. Valise, est-ce que je ne me ferai pas des valises pour ce voyage? Ouais, ouais, en vrai, ouais. Alors, attends. Pompe à eau, j'ai ce qu'il faut pour la fabriquer. Voire même deux. Je crois en fabriquer plusieurs. Pipeline, j'ai de quoi en faire. Support de pipeline, j'ai de quoi en faire. Il me faudra plus de plaques, mais j'ai de quoi en faire. Générateur à charbon. Il faut plein de câbles. Allez, c'est parti. À béton, elles sont fous. Ouais. J'ai de la plaque renfo pour toi, en fait. Hein, parce que j'ai pas tout consommé, j'ai des plaques renfo. Je te mets ça dans un coffre. Mets-les dans le coffre pour le départ. On va les prendre au cas où. Ok. T'en as 171, du coup. Ouais, non, mais en fait, ce que je me dis, c'est que même si on en a trop, autant poser, je veux dire une connerie, genre 15 stations. De charbon, même si on en allume que 3. Ouais. Au moins, si on retourne là-bas, on n'a pas besoin d'en construire d'autres, préparer une autre installation. Je suis d'accord. Je vais te mettre un truc ou deux dans ton coffre. Vas-y. T'aurais pas forcément pensé, mais je te mets les 7 piles et je te mets 175 charbon pour l'allumage. Autant les avoir dedans. Tac, on part. Des machines comme ça, t'as du jus tout de suite. Tu te retrouves pas avec juste tes pompes à eau qui tournent bêtement. T'as tout de suite quelque chose. Mais ça va falloir s'y attendre. Hein. En fait, c'est la petite surprise avec les machines de charbon, c'est que vu que t'as les pompes à eau qui se mettent à tourner d'un coup, il faut absolument que t'ailles couper toutes tes usines temporairement le temps que les pompes à eau chargent les centrales. Non, même pas, puisque comme on va être là-bas et qu'on va installer les centrales à charbon, la seule chose qu'elles vont faire tourner de base, ça va être les pompes à eau, puisqu'il faudra qu'on revienne pour tout câbler. En fait, on part sans câbler la base principale, et quand on revient en faisant un chemin de câble. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où tu vas faire l'allumage tout de même, tu vas avoir, tu vas pas générer de courant tout de suite. Parce qu'il faut d'abord que les pompes à eau pompent de l'eau, les envoient dans les centrales, dans les générateurs à charbon, pour que le générateur à charbon se mette à tourner. C'est pour ça que tu seras obligé de couper toutes tes usines avant. Et c'est pour ça que les usines à charbon, on les allume une par une. Donc, est-ce que tu veux pas qu'on prenne des générateurs de biomasse? Alors, non, un truc qui peut te sauver le cul, monsieur, c'est penser quand tu vas allumer ton générateur à charbon, à le mettre en puissance minimale. Ça sert à rien. C'est pas pour ça que ça sert à rien. Non, dans tous les cas, non, il faudra que tu coupes toutes tes usines. Cherche pas. Que tu coupes toutes tes usines. Ici aussi? Il faut que tu coupes toutes tes usines qui pompent actuellement du courant de manière à ce que les usines de charbon puissent se charger, quoi. Et après, tu rallumes tout, c'est tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est, si on part là-bas, ok? On part au niveau du gisement de charbon. On installe nos centrales là-bas. Ok? Mm-hmm. On arrive là-bas, on installe et on les démarre. Je suis fou le bordel, je peux pas faire le truc, je suis fou le bordel. J'ai trop de merdier, j'ai pris trop de béton, je vais déposer du béton.
J'accepte d'avoir pris trop de béton. Et monsieur le juge, c'était moi. Tout ce béton, c'était moi. Ce qu'on peut faire par contre avant de partir, c'est essayer de faire un... la farge bétonne. Oui, pardon, on peut faire oui. Un tracteur, pour y aller. C'est un peu inutile. Ok. Ça, ça va te plaire. Cinq emplacements d'inventaire. Oh putain, j'en ai marre de trembler comme un cadavre. Quoi ? J'en ai marre de trembler comme un cadavre, j'arrive pas à la placer la station orbitale. La station orbitale, juste parce que je tremble comme un ramon. C'est casse-pied. On va mettre tout de suite là. Mon passionnant, il ne se passe absolument rien. C'est la préparation, ça s'appelle. Il ne se passe absolument rien. De ton côté. De mon côté, ça m'étonne. Ah, c'est parti à B2. Ouais, ça B2 expande. Hein. Oh. Oh, on n'a pas le temps au travail, monsieur, ici. Hein. Ah, je croyais que t'étais parti faire du tourisme encore. Non. Le tourisme, c'est le mal. Le béton, c'est le bien. De toute façon, le béton, c'est le meilleur moyen de visiter son nouveau chez-soi.
Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je pose des fonderies. Ça prend de la place. Produit pour lui une fonderie. Alors, un lingot de fer, 30 par minute. Attends, il m'en faut 4 par mine là. Ouais. Il faut 8. Ouais. Parti. Sachant qu'après il faut autant de constructeurs derrière. 8 par mine, c'est ok. 8 par mine, plus 8 constructeurs, plus potentiellement en fait 10, si tu fais des vis à partir des tiges. C'est toi le vis. Ok. Enlever ton mur là. Ah bah tout ça vous avez des... Ah oui merde, il y a des machins, ça gêne. Chier. Comment ne plus avoir déjà de place alors que t'as même pas commencé à construire. Vraiment. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'utilise des surfaces énormes sur lesquelles je peux rien construire parce que c'est la vie quoi. Et la vie c'est chiant quoi. C'est le béton. Tanananana. J'arrive à intégrer des fonderies dans un décor qui est pas droit. C'est chiant. Non. Non. Pourquoi les plaques en fer qui ont du mal à venir là maintenant? Ah ouais, ok. Ouais, si, je vois. Parce que je demande à une fonderie, je fais du 30 minerais par minute d'approvisionner 3 machines. Ok. Est-ce qu'on a un overclock de dispo ou pas? Pour ici. Ou on s'en fout? Un overclock de dispo. Ouais, parce que j'essaye de finir mon jalon, là, vite fait. Ah, bah ça c'est toi qui vois, monsieur. Je te les ai mis dans ton coffre. J'ai tout mis dans ton coffre. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que je me fais chier à... On en récupère rien ou on bat les couilles? Bah, c'est... Je te laisse gérer, hein. C'est toi qui décide. Hein. C'est pas mes overclocks. Oh, ouais, c'est un peu prisonnier. Je fais du béton, moi. Pas dans mon délire. Pas une culture ici. Sur bétonasse. Hein. Je sais pas de quoi tu parles, moi. Moi aussi, quand on se pose une question, bah, on rase un truc. Ah moi j'aurais posé 5, tu vois, j'ai été trop gourmand. Tiens, t'as gagné 5 places et une emplacement de main supplémentaire. Milestone reached. R&D inflated your pocket dimension, added an additional hand equipment slot, and have provided an improved Xeno Zapper with increased strength and range. Yes! Ah, ça fait plaisir ça. Du coup, je peux remettre mes noix de bearing. Hop. Maintenant, on peut intégralement se concentrer. Ok, alors. Alors, de mon côté, les fonderies sont placées. Nickel. Titre informatif. Où est-ce que ça va? Un gisement de charbon là-bas. Potentiellement deux si on va chercher le deuxième. Donc, il me faut deux. Il me faut deux foreuses portatives que j'ai. Deux que je n'ai pas. Oui, mais ça gêne. Faut absolument que je les mette en pylône. Et en pylône, elle voudra pas. En pylône, tu voudras pas, mon gros. Et c'est trop incliné. Je savais que tu voudrais pas. Je te connais, ma gueule. Tu peux pas me le faire, moi. Je peux pas me le faire, moi. C'est pour ça qu'on avait tout prévu. Parce que figure-toi que j'ai tout prévu.
j'ai besoin que t'ailles tout en bas par contre. Ok. Là maintenant, c'est pas mal. C'est pas mal. On va quand même se sortir notre pylône. Ça devrait être bon, l'expédition. De quoi faire une centrale à charbon. Et tout ça, ça se règle au fur et à mesure de comment je vais distribuer mon truc. Réserve de fluide ou pas? De réserve de fluide. C'est-à-dire... Ouais. De bonbonnes d'eau, de réserve. Ah oui, moi je. Enfin moi par principe je mets toujours un tanker par pompe. Je mets un tanker par pompe. Comme ça tu sais pas si jamais un jour t'as un pic de courant électrique et qu'en fait t'avais pas calculé ton coût correctement et que tes pompes envoient pas assez. T'as un petit moment flat avant que ça crache quoi. Petit moment de flottement avant que ça se. Avant que ça se pète la gueule. Et du coup, il me faudrait aussi des convoyeurs. C'est chiant quoi. Ah parce que là ça veut dire qu'il faut des plaques renforcées. En fait il faut que je fasse des cadres modulaires d'avance. Ouais, ça va être chiant, ça marchera pas ça. Ah quoique si ça peut marcher mon histoire. J'aime pas la façon dont sont mis mes usines, je les ai trop serrées je crois. Ça un peu mieux. Est-ce que c'est important de bien ranger? C'est soit trop à gauche, soit trop à droite. Alors ça c'est politique ça. Je fais un peu trop de choses. Okay. Du coup, il m'en faut pas tant que ça des pylônes, il m'en faudrait juste un ici. Bien faire par principe, mais à cause du coût engendré par la demande, il ne sera pas possible d'avoir autant de stockage que de. Je pourrais pas t'avoir autant de stockage de flotte que de pompes. Ça dépend, t'as prévu combien de pompes ? Je sais pas, ça dépendra de plein de trucs aussi à côté. Mais okay, ça, je t'as rien devrais... prévu, mais t'es juste en train de me dire je peux pas alors que j'ai rien prévu quoi. Non mais en fonction de si on en pose 3, il y en aura que 2 dans tous les cas de réserve de flotte. Je peux pas faire mieux. Si t'en poses 3, mais t'as confiance que 3 pompes. T'as conscience que 3 pompes, ça alimente 12 usines. Ah ouais? Ouais, c'est une pompe pour 4 générateurs. Bah, y'a de quoi en poser beaucoup. Beaucoup.
Oui, donc non, en fait, calcul pour deux pompes, et après on voit ce qu'on met comme générateur, pas plus. Ah bah, pour deux pompes, alors, ok, vas-y. Hop, pour deux pompes. T'as prévu combien de gènes ? Combien de générateurs t'as prévu ? Actuellement, je comptais en poser même s'il tournait pas. C'est-à-dire t'avais prévu combien ? Là, c'était... C'est un chiffre en fait. Si c'est pas chiffré, je sais pas de quoi tu me parles. 6. J'avais prévu. Ok. Ouais bah 6, 6 de pompe, on est très bien. 6 de pompe, de ton cœur, on est bien. Parce que bon, okay. Les tankers c'est pas tant que ça en fait. Sont les tankers. Ouais, c'est 10 placas, 5 machins, ça se fait, hein. Ça se trouve. Ouais, mais je les ai, non, mais j'ai tout en fait. Voilà. De quoi tu chouilles ? De quoi tu plains, quoi ? J'ai fait tout ça pour le supprimer. Ouais, je reconnais. Ça, c'est mes idées, ça. C'est les mecs, ça. Ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est un peu comme la prévoyance en pompe d'Antonin, quoi. Problématique, tiens. Tout à fait. Ok, bon, bah, let's go. On est pas. On va faire un truc. Ça, comme ça. Ok, moi je suis prêt à partir là-bas. Moi pas. On pourrait le faire serpenter comme ça aussi, ce serait rigolo. Oui, bien que non, en fait. Hop. Peut-être que tu viens de te mettre là. Il neige ? Est-ce que eux, je les avancerai pas un peu ? Il neige chez toi ? Comment ? Il neige chez toi, c'est ça ? Non, sur la base. Ah, je sais pas. Pourtant, je fais pas encore tourner le charbon. Pas encore neigé. C'est normal. C'était le temps de battement, changement de carburant. Ok. Bah, moi, je pars à un charbon du coup. Ah attends, j'ai pas pris de béton pour terraformer. Je suppose que tu veux terraformer là-bas aussi. Ouais. Mais j'en ai du béton. Mais je vais rejoindre. Enfin, je te rejoindrai. Ça sera dans un prochain épisode. Ah ouais, parce que les tartes sont. Et puis parce que l'épisode est largement assez long. Oh, non. Oh si. On n'est pas sûr de l'épisode de Runner là encore. Oh non. Les gens sont encore en train de pleurer. Ah ouais? Ils sont encore là. Ah, y'a plus personne, mec. C'est leur façon d'exprimer leur mécontentement. Allez. Du coup, c'est en bas. Là, je suis comme les petits convoyeurs, là. Comprends. Donc voilà. Voilà, on aura de quoi alimenter toutes les machineries du monde demain, quoi. Ou un autre jour. Ou qui sait. Voilà, ça c'est repris. Et ça aussi, je vais reprendre les 6. Voilà. Et ben des bisous YouTube, à la prochaine. Adieu YouTube. Ciao.